me chercher un verre d'eau. Non, mais va t'en chercher un toute seule, là, sérieux, éteins la lumière. Mais moi, je viens de faire un cauchemar et toi, tu t'en fous. Oui, bah c'est bon, d'accord, j'y vais. Tiens, alors ton cauchemar, raconte-moi. Mon quoi? Bah, ton cauchemar, c'était quoi l'histoire? Ah ouais, en fait, non, je ne l'ai pas fait. De quoi? En fait, j'aime pas du tout marcher sur un carrelage froid. Ah non, mais pourquoi? Mais non, mais t'as des chaussons, sérieux, quoi. Oh papa, arrête de râler. Il est tard, là, je suis fatiguée, moi. Et la lumière? Arrête-toi là. Pourquoi tu veux que je m'arrête là? Attends, ton lycée, il est au bout de la rue là-haut. Justement, je veux pas que le lycée et encore moins mes potes nous voient ensemble. Non mais t'es sérieux là? Mais qu'est-ce que... Eh, passe une bonne journée, papa. Mais toi aussi, fiston, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. À table! À table! Ah, je vais te bouffer! Non, tu peux pas! Je suis une princesse! Non, tu n'es qu'une michetonneuse! Allez, Julie, on mange là! Aïe! Eh, hey, fais gaffe, casse pas mes jouets là! T'as peur que je casse un Lego en marchant dessus? Un Lego? Oui, comment me dire? T'as grossi, papa! Du coup, fais gaffe où tu mets tes pieds! Eh ben écoute, je veux bien que tu nous dises où est-ce qu'on peut mettre nos pieds dans ta chambre là. Donc tu me rangeras tout ça après manger. Allez, viens! Ouais, c'est toi qui devrais plutôt ranger tout ça! Au moins, ça te ferait faire du sport! T'es sourd ou quoi, on mange là? Oh, tu fais quoi là? T'es censé toquer? Non, mais je m'en fous, on mange. Je peux pas, je viens de commencer une partie. Putain, il casse les couilles. Quoi? Non, non, t'inquiète, c'est pas toi que je parle. Je préfère ça, ouais. Non, non, je disais ça à mon père. De quoi? Et voilà, c'est moi qui comprends. Loin la détente, le gars. Ah, bah je m'en fous, tu mangeras froid, voilà. Ouais, ce sera surtout dégueulasse, ouais. Ça va, ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? Tu nous détestes en fait. Pourquoi tu dis ça? Moi je t'ai demandé un hamburger. Tu sais très bien que j'aime pas les légumes. Mais monsieur nous en fait quand même. Mais non, mais c'est de la verdure, c'est bon pour le corps ça. De la verdure? Mais tu nous prends pour des chèvres ou quoi? Ça te fait rire ça, hein? Quoi? Ah non, mais moi je m'en fous de ce que tu racontes, je regarde des vidéos sur internet. Ouais, mais je te rappelle qu'à table on n'utilise pas nos téléphones. Tu ranges ça là. Oh, t'as pas entendu? Bah si, justement, c'est pour ça que je rigole. Pas de téléphone à table, t'es un ouf, toi. On va faire quoi? On va se parler? Ben, on est arrivé. Oh, tu fais quoi, là, Julie, là? Eh, t'éteins la télé, tu reviens à table. Non, merci. Vous en avez marre de votre père, hein? Votre père, il est chiant, hein? Oh, vous savez quoi, vous allez de la chambre? Parce que votre père, il vous laisse tranquille. Démerdez-vous! Mais il est complètement taré! Grave! Il vient de péter un câble alors qu'on a rien fait! T'inquiète pas! À mon avis, il va vite venir s'excuser! Ah, allez, je te dépose là! Quoi? Mais on est où là? Bah, ton lycée est à 3 km si tu passes par là-bas, je crois! Sérieux? Mais si j'étais parti à pied, je serais déjà quasiment arrivé là! Ouais, mais là au moins tu seras sûr que le lycée et encore moins tes potes nous verront ensemble! Allez, dégage! Et cours, hein! Il te reste que 12 minutes! Oh non, ma PS4! Oh non, pas ma PS4! Quoi? Elle est où ma console? Alors déjà, je l'ai achetée avec mon argent, donc c'est pas ta console, c'est ma console, ok? Et là, en plus, tu vas me parler pendant un match serré, à cause de toi, je viens de prendre un but. Alors dégage! Mais non! Il fait quoi? Il fait des burgers. T'avais dit qu'il craquerait. Hey, mais il va où là? Quoi? Mais tu fais quoi? On a faim nous! Bah démerdez-vous, il y a plein de trucs dans la cuisine. Ah. Bon allez, bon appétit hein. Ah mais c'est dégueu, c'est tout froid. Ah ouais, j'avais pas vu, fallait décongeler en fait. Pourquoi elles sont croquantes tes spaghettis? Ah mais je crois que papa il les cuit dans l'eau d'habitude. Dans l'eau? Mais n'importe quoi, c'est pas des poissons hein. Eh hey. Psst. Oh. Eh hey, mais tu fais quoi papa? J'arrive pas à dormir. Raconte-moi une histoire. Quoi? Mais d'habitude c'est toi qui m'en racontes une. Ouais mais je sais pas là, j'ai peur tu vois. T'as peur de quoi? Tu m'as dit que les monstres, ça existait pas. Ah, mais si, je t'ai menti. Ils existent, en vrai. Ah, ça me fait du bien de te l'avouer. Allez, passe une bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, papa, il a bloqué toutes les chaînes.
Et la seule chaîne qu'on peut regarder, c'est des films qui font peur. Ingestion par le sujet 1. Oh, attends, attends, les celui-là. Mes potes, ils m'ont dit qu'il était trop cool. Julie, tu sais pas où est mon téléphone? Quoi? Non. Allô? Allô Arthur? Et qu'est-ce que tu fous? J'arrête pas de t'écrire sur Messenger, Insta, WhatsApp. Tu me réponds même pas? Ouais, j'ai un petit problème avec mon portable là, il est pas très tactile. Mais mec, pourquoi t'as posté des photos de toi à poil quand t'avais genre 3 ans? Et la pire, c'est celle où tu t'es déguisé en princesse. Mais il est incassable ce truc là ou quoi? Sia, pourquoi tu m'as fait venir? Il faut qu'on nettoie nos affaires, on n'a plus rien de propre. Oh la vache, mais t'as fait quoi avec ça, sérieux? Bah quoi, ça fait que 3 jours que je le mets. Mais tu fais quoi là, t'es sûr? T'inquiète, j'ai déjà vu papa faire ça une paire de fois. Fais-moi confiance. Non mais regarde, sérieux, y'a plus rien qui me va. Qu'est-ce que t'as fait? Bah j'en sais rien. J'ai peut-être mis un peu trop d'assourdissant. Mais t'inquiète pas, ça te va bien, hein. Et là, pour une fois, tu sens bon. Hey, salut, petit beau gosse. Vas-y, c'est quoi ton 06, wesh? En tout cas, joli petit boule, hein. Papa, on n'arrive pas à dormir. Quoi? Ouais, on entendait de la musique à fond, on pensait que c'était toi. Ouais, en fait, c'est le voisin. Bon, ok, j'y vais. On vient avec toi. Bonsoir. Yeah, salut. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire là. T'as pas remarqué? On se tape une soirée avec les potes, on est au moins à 10-15. Mais il est un peu tard, hein, il est quand même 1h du matin et mes enfants ont école demain. Ouais, on a école demain. Alors, c'est qui? C'est rien, c'est les voisins de relou d'à côté. Je vais jouer avec eux, j'en ai pour 2 minutes. Tu sais bien. Comment ça, le voisin relou? Ouais, bah, parce que t'es un peu relou, tu nous déranges en pleine soirée. Je t'ai dit qu'une fois par semaine, je sais pas si je te l'avais dit, mais une fois par semaine, on se met bien, on fait une petite soirée. Tu veux boire un bière? Un peu. Non, merci, mon doudou n'est pas alcoolique contrairement à toi. Vous allez vous calmer? On va pas gâcher la soirée pour toi parce que tu me ramènes tes 3 gamins. Super, le nouveau voisin. Tu sais quoi? Continue à parler, continue comme ça parce que franchement ça m'intéresse à mort ce que tu me dis. Reste dans le thème et nous on va continuer à mettre le son ce soir. Papa, je crois que c'est la bonne occasion pour nous de te demander pardon. Ouais, parce qu'on est allé beaucoup trop loin. On était vraiment vivables. Et on s'est rendu compte à quel point t'es vraiment important pour nous. S'il te plaît, excuse-nous. On peut redevenir amis? Je te prépare des nuggets. C'est drôle ça. Il a quand même fallu qu'on attende d'avoir un ennemi en commun pour que vous me demandiez pardon. Allez, ça va là. Ok, je vous laisse une seconde chance. En tout cas, ce mec là, il ne sait absolument pas. Sur qui? Il est tombé. Oh non!